dans le prochain épisode de Ainsi Grand Soleil. Tandis que Colette est déférée devant un juge, Camille mène la vie dure à sa mère. Myriam et Claire organisent quant à elles une surprise pour Violette. Attention, les paragraphes qui suivent contiennent des spoilers sur l'épisode d'Ainsi Grand Soleil diffusé lundi soir sur France 2. Si vous ne voulez rien savoir, ne lisez pas ce qui suit. Lundi 16 août 2021 dans Ainsi Grand Soleil. Colette est déférée devant un juge au commissariat. Colette poursuit son récit à propos de l'enfer qu'elle a vécu sous les coups de son mari durant 20 ans. Dans l'espoir de s'en sortir, elle avait tenté une fois d'appeler police secours. Malheureusement, Bernard l'a surprise et a ensuite menacé de la tuer si elle le quittait. Au fond d'elle, Colette a toujours su que pour se sortir de ce mariage, ce serait elle ou lui. Ayant reconnu l'ensemble des faits qui lui sont reprochés, elle est donc déférée devant un juge. Plus tard, le procureur Bernier tient une conférence de presse pour informer les journalistes que les morts de Sébastien Latour, Rodolphe Lantini et Bernard Janton ne sont pas liés. Lucile étant présente dans la salle, le procureur en profite ensuite pour critiquer vivement ses articles sur cette affaire et lui reproche d'avoir manqué de professionnalisme. De son côté, Becker ne supporte pas l'idée que Colette finisse sa vie en prison après le calvaire qu'elle a vécu pendant 20 ans. Si Janet estime qu'elle a agi en situation de légitime défense, Becker rétorque que ce n'est pas le cas puisqu'elle a tué son mari avec préméditation. Toutefois, pour Janet, Colette reste une victime et sa place n'est pas en prison. Camille mène la vie dure à sa mère. Camille se montre toujours hostile au nouveau compagnon de sa mère. Bien qu'elle ne puisse pas forcer sa fille à apprécier Serge, Laetitia lui demande cependant d'accepter que cette histoire est importante pour elle. Tandis que l'adolescente ne souhaite faire aucun effort pour le connaître car sa réputation le précède, Laetitia lui remarque qu'elle ne peut pas prendre parti en se basant uniquement sur le conflit qu'il oppose à Florent depuis des années. Comme son compagnon vient dîner à la maison, Laetitia espère que ce sera l'occasion pour Camille d'apprendre à mieux le connaître pour se faire sa propre opinion sur lui. Seulement, Camille n'a pas envie de tenir la chandelle et invite Kira. Au cours du repas, l'ambiance est particulièrement tendue. Serge a beau reconnaître que Florent est un bon avocat qu'il estime beaucoup, Kira, qui a mené sa petite enquête, énumère les erreurs qu'il a faites par le passé dans le cadre de son travail. Myriam et Claire organisent une surprise pour Violette et Violette reçoit la visite de Claire et Myriam qui lui raconte comment elles se sont rencontrées et évoque la passion qui les rapprochait. Le soir venu, Myriam et Claire organisent une surprise pour Violette. Après lui avoir bandé les yeux, elles s'introduisent toutes les trois à l'opéra. Une fois sur scène, Claire pose un casque sur les oreilles de la vieille dame puis lance un morceau de musique classique. En retirant le bandeau, Violette découvre avec émerveillement la salle de spectacle illuminée. Un instant magique pendant lequel elle s'est sentie plus vivante que jamais. De retour chez elle, Violette confie à Myriam qu'elle aimerait qu'elle hérite de son étang et de son bois après sa mort. En effet, elle ne veut pas que ce soit sa nièce car elle craint qu'elle ne détruise son petit coin de paradis en pensant avec son porte-monnaie. Mais la situation est délicate pour Myriam qui lui signale qu'elle ne fait pas partie de la famille. Pour Violette, elle fait partie de sa famille de cœur et comme sa fille. Elle supplie alors Myriam d'accepter sa proposition.
night.